Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans l'édition Nouvelles. Nous avons démarré le journal avec des informations qui concernent les conditions de temps et nous avons recevoir un collaborateur Wilner Polidor. Bonsoir Wilner. Hydrométéorologique pays d'Haïti, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique journée. On a vu comment la situation est sous région Caraïbes avec sous Atlantique. Là. Paramètres cap dominé, conditions météorologiques, c'est toujours zone de haute pression qui vraiment là, il colle sous région Caraïbes là et la provoqué un temps venteux sous tout le pays avec bel soleil. Et nous avons des vents qui soufflent vraiment jusqu'à 40, 50, 60 km par heure sous le pays d'Haïti. Et la situation ça a provoqué quelques petits dégâts, mais ce n'est pas vraiment gros dégâts. Mais le vent a soufflé très fort et surtout sous la capitale. Port-au-Prince, pays d'Haïti. Mais par rapport avec vent nordé qui a porté humidité sous région nord avec dans baie de Port-au-Prince, nous avons possibilité pour nous avoir quelques averses isolées sous département Antibonite, le centre qui est à l'intérieur des terres et aussi département de l'ouest, le sud-est et le sud en soirée. Mais c'est vraiment quelques averses à caractère orageuse. Mais dans l'ensemble, c'est beau temps sur tout le pays. Hein. Soleil avec vent cap soufflé très fort au cours de journée et même en soirée. Pour capital là, c'est un capital qui jouit de stabilité mais avec un pile vent Jean Noël sous en quatre devant ça, mais température là très haut aujourd'hui. Elle me dit très haut, elle a monté jusqu'à 36 degrés et n'a senti effet de chaleur au cours de journée et même aussi en soirée parce que les pas descendre trop bas, c'est 24 degrés Celsius ça descendre pour à soir ou disons au cours de nuit là. La mer est agitée non seulement sous côte nord et côte sud pays d'Haïti, ni golfe de la Gonave. Capitaine, nous avons précaution avec prudence. Si tout l'air a entré dans la mer, parce que la mer est agitée au large, mais près des côtes, c'est la mer qui a forte par rapport non seulement zone de haute pression, les mêmes caps poté en pile vent, mais aussi en tropical, nous, qui trouvait ici, cap vraiment généré beaucoup de vagues. Et c'est vous savez, les capitaines, nous avons précaution avec prudence. Et pour soleil, là, la couche jeudi à 7h22 minutes. Et la pleuvée demain matin à 6h12. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. Nous allons suivre une page météorologique là, collaborateur nous, Wilner Polidor. Merci Wilner et bon après-midi. Président taïwanaise la Tsai Ing-wen recevoir tout Kaili, président public la Jovenel Moïse mardi 29 mai non palais national Taipei. Équipe nous était sous place Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay Abdi Noblis. C'est honneur militaire 21 coups de canon acte défilé qui recevoir président haïtien Jovenel Moïse journée mardi 29 mai 2018 là dans palais pays Taïwan. Haïti un pays qui pas suspend prouver solidarité avec Taïwan après 62 l'année coopération. Opération à Tahiti et Taïwan pral konnen un nouveau départ côté deux pays yo doit redéfinir différents axes coopération yo. Pour Taïwan, les questions pour bay Haïti bourad dans trois secteurs tant que agriculture, énergie et technologie. Dans les jours à venir, nous avons déjà inscrit dans votre programme, Monsieur le Président, des visites dans les domaines de l'agriculture, l'énergie et la technologie. Moi-même, personnellement, j'échangerai avec vous sur les sujets d'actualité internationale. J'espère qu'avec cette visite d'État, nous pouvons approfondir les relations entre nos deux pays, surtout une relation de coopération qui est non seulement gagnante-gagnante, mais bénéfique mutuellement. Et dans la quête des relations durables entre nos deux pays, j'espère que nous serons, de part et d'autre, un soutien mutuel. Trois domaines, ça, par département, avec vision administration, président Jovenel Moïse, là, qui basé en même temps sous sept grandes priorités développement en dans seule stratégie qui relie caravane changement. Chef l'État clé sous ça, Haïti besoin support concret et durable bon côté paysan milieu. Vous avez devant vous un ami sincère. Nous souhaitons vivement que nos relations puissent trouver un élan nouveau et s'orienter vers la construction
d'une alliance stratégique multiforme capable d'assurer de façon durable l'avenir et le progrès de nos peuples. Madame la Présidente, chers amis, mon programme de gouvernement s'articule autour de 7 axes prioritaires portés par une stratégie que nous appelons la caravane du changement, instrument privilégié pour remettre l'État au service du citoyen. Parmi ces axes prioritaires, je peux citer la promotion de l'investissement privé comme vecteur de transformation de l'économie et de la société, la modernisation de l'agriculture et la construction de grandes infrastructures énergétiques, routières, portuaires et aéroportuaires. Ce partenariat gagnant-gagnant que je préconise sera bénéfique à nos deux économies à travers l'immense marché qu'il ouvrira aux investissements taïwanais dans le cadre des grands travaux à réaliser nécessairement. Rencontre entre deux chefs d'État déroulée dans une ambiance amitaille en présence première dame République Martine Moïse avec différentes autorités politiques, membres cabinet particuliers et puis hommes d'affaires qui dans délégation haïtienne. Toujours dans quatre visites li dans Taïwan, président République Jovenel Moïse fait une réunion travail mardi 29 mai avec responsable compagnie électrique Taïwan qui pote nom Taiwan Power Company. Projet pour mettre courant électrique dans tout pays à 24 sur 24, t'es dans mi-temps discussion. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay dans l'autre reportage. Haïti besoin 800 MW courant pour permettre tout le monde gain lumière la caillou, alors que dans le pays Taïwan, dans le moment où on a parlé là, il a fonctionné à 45 000 MW, ce qui représentait environ 60 fois plus capacité production par rapport à Haïti. Journée jeudi a li important pour électrification Haïti tourner en réalité d'après président Jovenel Moïse qui promet tout support l'état haïtien à groupe expert qui a bien pour travailler sur réalisation projet ça. Haïti a besoin au moment où je vous parle 800 je veux parler de 800 MW actuellement. Cela veut dire, je veux parler de 0,8 gigawatt, moins d'un gigawatt, pour un territoire qui est presque similaire à votre territoire. Vous êtes 36 000 km², nous sommes 27 700 km². Vous êtes 23 millions de personnes, nous sommes 12 millions de personnes. Et quand nous faisons le ratio entre le besoin énergétique d'Haïti et le besoin en électricité de Taïwan, il n'y a pas de comparaison. Aujourd'hui, Haïti est un carrefour où le besoin en électricité se fait sentir. Et il est inconcevable. Aujourd'hui, sur chaque 100 Haïtiens vivants, moins de 30 Haïtiens ont accès à l'électricité. Projet électrification pays d'Haïti a impliqué trois étapes. Zone métropolitaine, réseau électrique national là avec interconnexion réseau yo. Un projet d'après technicien Taï Power yo qui possible une fois processus la démarrer plus rapidement possible. Président Taï Power Yang Weifu dit compagnie l'a dirigé à fiable dans question énergie. Nous espérons que le projet pourra démarrer le plus rapidement possible pour l'amélioration de l'approvisionnement en Haïti en électricité en Haïti. Et je saisis l'occasion pour vous dire si vous l'amitié entre les deux pays. Plus de la production d'énergie, Taï Power avec les principaux fabricants du pays cherchent également à développer petit à petit des équipements de fabrication indigènes pour le développement des réseaux de transmission et de distribution. Des équipements clés tels que les lignes, les tours électriques, les câbles haute tension, appareillages électriques, les transformateurs de tension, etc. ont été fabriqués dans le pays à plus de 90% et font preuve de leur fiabilité. Durabilité. Délégation haïtienne a profité garder résultats études yon équipe technicien Taï Power Company te rentré vin fait en Haïti nan mois octobre passé a sous configuration système électrique là. Yo posé question ou soit apporté quelques précisions sous réalité terrain en Haïti. Dans semaine kap vini là, yon délégation expert Taï Power Company a bien pour tourner en Haïti toujours dans cadre d'exécution projet électrification pays a. Une nouvelle initiative président République là Jovenel Moïse c'est en bas on l'a appelé journée environ ça t'al fini dans EDT
yon sous-station électrique qui trouve dans le district Wenchen. Merci Sabine et Jean-Ariel qui t'a continué à informer nous sur la visite du président République, Jovenel Moïse, dans Taïwan. L'autre information dans le journal ça, ministre de Justice là, Jean-Audi Ali, visite juridiction Kwadebukea mardi 29 mai. Pendant la visite ça, ministre a annoncé disposition qu'il prend pour comment il a résoudre le problème de détention préventive prolongée qui est une priorité. C'était occasion tout pour garder comment le système n'a pas marché pendant qu'il prend doléances à Taïwan. Pour joindre une solution pour permettre moun ki nan prison yo ka gen accès à la justice. Nous invitons à suivre yon extrait. Nous sommes attirés par situation de moun qui en détention préventive prolongée, des moun leur priorité jugé yo pas jugé à temps, son situation qui interpelle nous. Nous te vinn wè avec autorité judiciaire yo, nous te passé nan parquet a, nous wè doyen tribunal première instance là pour adresser du problème qui fait que gen détention préventive prolongée a et wè ki élément de solution que nous ka joine. Tant comme t'a dit avec commissaire gouvernement avec officier du parquet yo, substitut yo. Nous-mêmes nous engagés dans la lutte contre détention préventive prolongée a, nous demander toute autorité ça commissaire substitut pour respecter la loi, respecter les délais de procédure. Il y a une explication à détention préventive prolongée, c'est que le dossier fait en pile temps des fois dans les autorités qui sont chargées pour traiter. Comme parquet relevé du ministère, là, nous avons regardé avec eux comment ils sont capables de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire que ils traitent le dossier dans le délai de la loi. Si un substitut gagne un réquisitoire pour le faire, le réquisitoire d'informer, il fait l'attente. Que ce soit définitif, il fait l'attente, de la préparer acte d'accusation, il fait l'attente. Nous demandons au commissaire gouvernement pour entendre avec doyen pour gagner plus d'audience correctionnelle, pour faire session assise criminelle sans assistant de jury toute longueur année. Ce n'est pas une session spéciale pour autant de faire parce que il y a un juge, il y a un commissaire gouvernement, personnel judiciaire là, pour prendre disposition pour être capable de faire audience en façon pour permettre tout le monde de juger dans le délai raisonnable parce que c'est une exigence non seulement de la loi haïtienne mais aussi de convention internationale de droits humains que Haïti ratifié. Donc nous avons gagné nous avons parlé avec officier du parquet dans ce sens-là. Nous avons parlé avec tous sur question comment pour être vigilant, surtout commissaire gouvernement, par rapport à ensemble de décisions par défaut qui gagnent. Et au point nous engager dans nos luttes contre l'insécurité foncière, les grands piles décisions par défaut comme ça, les plus bas exécutifs, nous demandons au commissaire pour être vigilant. Pour ne pas arriver dans des cas que le système dans lui-même favorise les gens à déposséder les gens de bien sans que les gens ne soient pas touchés vraiment de assignation, par exemple, en justice, dans le cas qui concernait la question droit de propriété. Voilà, c'était précision mise justice là, Jean-Rudy Ali. Sénateur Niplan, Francenet Denius souhaité président commission justice et sécurité Sénat République là, invité Conseil supérieur police nationale là pour alba explication devant Sénat, soit arrêté qui mandé CSPN là approuver décision direction PNH là. Sénateur Denius dit si après explication membre CSPN là, l'app connaît dans qui intention arrêté à sorti. Il y a un extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Ulbridge. Pensez que et il y a un accord qui fait à la loi de 96 sur le fonctionnement et l'organisation de la police. Et là, moi pense que Fox CSPN a expliqué la décision. Moi-même, moi pas voulu faire spéculation et je ne voulais pas présenter des questions pour édenter le directeur général là ou bien pour limiter le pouvoir. Moi, je préférais tant que CSPN li il vient d'expliquer. Et si, comme nous dit là, nous montrer que son décision qui contraire à la loi, pas retourner sur lui, à partir de ce moment, nous avons qualifié lui de volonté et pour contrôler la police. Mais cependant, jusqu'à présent, je pense qu'il y a toujours erreur, a toujours de interprétation différente et son question et que la loi dit. Maintenant, Anton, et que nous rencontrer, nous expliquer et nous voir qui décision. Et qui est capable de prendre l'intérêt de la population et l'intérêt de la police là tout.
Ministre Kilti à communication Joseph Guilherme Selelva réagit mardi 29 mai, sur arrêté qui publié 28 mai qui fait obligation à police nationale d'Haïti pour soumettre à approbation Conseil supérieur police nationale la CSPN diverses décisions tant coup nomination transfert dans niveau direction centrale et départementale quelques membres formation à renforcement effectif li. D'après ministre Delva décision ça gain pour objectif protéger population hein, et puis permettre CSPN by disons li pi bien sous cette décision qu'a prend dans PNH là yon bout na explication ministre qu'il tient communication hein, Joseph Guilherme Delva arrêté à l'y prend c'est dans le sens pour protéger population pour assurer que toujours en situation de stabilité et que sur question sécurité a pas gagné des mesures capable venir bouleverser bagaille la pays à l'encourir parce que ça t'a gagné arriver m'pas dit que gagne aucun plan pour ça arriver mais l'état obligé et CSPN obligé assurer lui que gagne des décisions qui pas qui ca prend mais qui ca vienne qui ca éventuellement et créer des situations difficiles donc avant au prend li besoin juste checker juste d'accord nous dit bon a fait tel bagaille au lieu de faire tel autre et puis nous entendre nous sur ça donc ça c'est juste un check que lié ça moi même capable pour mon capable parler du avis comme si je dis je voulais montrer que arrêté a li violer loi sur police arrêté a pas violé aucune loi CSPN, c'est la loi qui prévoit, c'est la plus haute instance décisionnelle de la police, là, CSPN. Donc, là que il dit avis, on dit CSPN a balou avis. C'est pas même j'ai avec n'importe monde qui a balou avis. Et pas oublier tout que le directeur général de la police a siégé en de CSPN. Là. Cela veut dire que le CSPN a pris une décision, le directeur général a là dans le tout. Donc, si l'on dit avis qu'a dit plusieurs bagailles. Mais surtout pour une entité comme CSPN, avis, c'est pas juste un avis, une opinion. Il y a bail parce que le directeur général là, l'endan. Donc cela veut dire que on dit que CSPN l'a réuni, il a décidé, il a fait tel bagaille et ou bien tel bagaille t'a fait. Il dit bon, et par contre ça n'a fait encore c'est tel autre gens. Mais directeur général là, endan. C'est pas et pas dire pas dire mon cher, et n'a fait le sang ou bien nous fait ça, faut faire ça. Faut... Non, directeur général là. Discuter avec tout l'autre membre et conseil, et puis yo d'accord, bon, tel bagaille, au lieu de faire comme ça, n'a fait comme ça plutôt. Aussi simple que ça. Y. C'est pas bagaille comme si Mdadjou, que nous pouvons faire parce que nous avons un problème avec X ou bien Y, parce que nous avons dit que c'est pas faire politique, politiser la police. Président de la République, là, premier ministre, là, gouvernement, ça n'a pas dans la logique pour politiser la police. Nous besoin la police fait travail pour bailler tout le monde dans le pays à sécurité. Quel que soit le monde, que l'opposition, que le pouvoir, que n'importe qui côté. Donc, pur et simple, qui objectif arrêter ça? Arrêter ça, justement, c'est pour garantir que en tout temps, plus haute instance décisionnelle dans la police, là, qui c'est CSPN, là, est au courant d'une série de mouvements qu'a fait pour éviter que de mouvements comme ça capables de gagner des répercussions négatives sur la sécurité générale du pays. Donc, décision ça prend juste pour assurer que, avant de appliquer CSPN, qui est directeur général de la police là dans le tout, capable de voir l'ensemble et puis d'accord sur lui. L'autre nouvelle magistrat Lestéa Sénèque Téléma qui était disparaître depuis 23 mai passé rejoint liberté. D'après proche magistrat, c'est kidnappé, il était kidnappé. Cependant, directeur général ministère intérieur Fednel Monchéri fait qu'on est d'après information, il rivait joindre pas de jambe question kidnapping sous magistrat Lestéa pendant le promet pour bail vérité sous causer ça dans jour qu'a venir. Il souhaitait une évaluation qui fait sous tout dégâts qui fait dans commune liste. Il y a extrait dans le micro Richardson Jordan. D'après magistrat assez souhait qui accompagné là qui là avec moi là. Il était quitté Lester à bord de machine transport en commun. Mais chaque monde était une destination par eux, magistrat était pour devenir ministère à côté et ministre pour nous traiter sous inondation qui arrivait dans la commune Lester et dans certaines sections communales. Le magistrat principal là, lui-même, était pour prendre direction, pour le régler, à faire personnel dans une institution financière. Il arrive que le magistrat assesseur, qui est avec nous là, il est entré à la caille. Et puis, le magistrat principal n'a pas tourné jusqu'à ce que matin ou bien hier soir, il est entré à la caille. Ça a créé une panique.
et population qui proche magistrat indexé magistrat qui chita dans dollar que l'irresponsable de disparition maire Sénèque estimable qui c'est magistrat principal commune Lester. L'information ça vient tomber magistrat relé nous fait contact. Il était dans une situation difficile pour te sortir dans la zone côté hein, parce que un il est écrasé machine ni yo pendant la ministre dans mairie là font conférence je crois et puis c'est au monde créer le dit mon le compresseur qui a sorti dans section communale côté magistrat principal la sorti a jeté effectivement il mettait la couvert n'est venu saccager mairie mais employé mairie même et ensuite yo boulé oni. Il fait l'autre dégât encore. Et ça fait nous demander pour que nous ayons une évaluation de tout le monde qui est victime, des biens qui sont endommagés, pour un bilan de dégâts qui fait à partir de informations qui indiquent que le magistrat qui portait disparu. Et depuis lors, le magistrat a arrêté moi, nous déplacer en personne. Moi, aller sauver la vie magistrat. Famille, madame petite était gonaïve, l'autre magistrat, femme non. Il mettait la couvert. Psychologiquement, le magistrat va vivre. Il va manger. Il va manger. Si le monsieur mangeait matin, il a mangé. Le ministère a mangé. Parce qu'il était vraiment paniqué. Il était vraiment affaissé d'informations. Et mon après, la pression a fait tout. La famille, magistrat, Sénèque après l'île, bien endommagé. On va comprendre qui est fait, ça fait sourire. Donc, effectivement, nous-mêmes, tous, nous avons cherché qu'on est. Nous avons gagné l'autre information. Et je dis clair que pas de gens qui ont kidnapping. Information, pas nous, nous gagnons. Et nous avons pris le public, tout côté magistrat passé, nous avons tracé, et nous avons même mis pour ne pas quitter le pays. Car nous avons raison, nous avons expliqué la raison dans le cas de venir. C'était l'explication DG ministère intérieur collectivité territoriale Fednel Monchéri. Comité thématique éducation et sensibilisation publique dans la direction protection civile organisé mardi 29 mai dans centre opération Igence Koun yon conférence débat sous thème accessibilité linguistique et médiatique bulletin à consigne météorologique en suivant reportage à Daline Dorival. Femme ou garçon en aider l'autre paré. C'est sous thème ça, Direction Protection Civile a sensibilisé population pendant une quinzaine de jours, sorti 29 mai pour bout de 15 juin pendant la saison période cyclone. Nan. Joseph Edgar Célestin, qui est un responsable communication DPC NUD, explique diverses activités qu'a gagné pendant la période ça, avec formation pour permettre message à consigne rive jeune population, puis bien dans l'idée pour éviter moins de dégâts, j'en sais qu'on y est. Le 1er juin, nous allons lancer officiellement la saison 1 dans Fort Liberté. Nous allons gagner une interaction avec les partenaires sous zone, mais nous allons faire un match tout cap sorti dans le centre-ville Fort Liberté pour aller Malfetti, pour justement montrer à la population que nous arrivons dans la saison 1, 1er juin arrivé jusqu'à 30 novembre, donc il faut être béatif. Et même avant même nous réaliser avec naissance, par exemple, la tempête subtropicale Alberto, que car un phénomène avant 1er juin mais après 30 novembre. Quoique pic là en général dans le bassin Caraïbes là c'est fin septembre avec mois octobre. Il y a l'autre activité toujours qui peut voir dans 4 15 ans tant que champ de masse nous prenons une grosse mobilisation 15 avec exposition avec interaction avec public là et puis en pile animation pour rappeler population que non seulement dans saison cyclone mais folie capable changer comportement ni par rapport à danger qui gagne dans cyclone. Langue créole c'est langue maman nous. Pas gen pi bon façon pour nous comprendre pi bien. C'est déclaration Luna Gourg, secrétaire exécutif Académie créole haïtienne. Luna Gourg dit li kwè, tout message ak information important pendant période sa yo doit en créole pour permettre moun nan tout couche comprendre message ak consigne météorologique yo. On a pile fois nous t'a des messages dans média qui fait en créole mais c'est pas pour créolophone. Donc c'est pour ça nous content dans Académie créole associé dans activité ça pour message yo rive vraiment en créole, ça veut dire côté gen mot technique c'est vrai mais côté mot technique là appuyé li gen yon périphrase gon mot gon façon pour
faire qu'on passe pour population bien comprendre. Donc c'est dans ce sens ça Académie Créole son partenaire important et nous content participer à l'activité pour nous peut-être mettre un petit bémol des fois dans activité dans information qui trop technique qui trop spécialisée qui pas tomber dans population. Que nous sommes un pays qui situé dans le temps d'Acadie, Timilos bouleversement, faut que nous sommes capables de sensibiliser la population dans la langue pour lui répondre avec efficacité à la demande de nos besoins. Direction protection civile dit li prend ensemble des mesures dans l'idée pour sensibiliser la population en plus bien et puis éviter gros dégâts pendant la période cyclone. Nan. Merci Daline et Robert Chéri. Défi ak anje nan secteur coopérative la nan pays d'Haïti, c'est sous thème ça Conseil national coopérative réalisé yon colloque mardi 29 mai. Colloque ça d'après dirigeant yo, c'est pour dresser yon diagnostic secteur ya nan pays ya. Ansi Mars a di nou plis nan reportage. Du fait que nous nan CREDAF, vu position que nous occupons nan CREDAF, donc yo ban nou en filière pour entrer nan OCDE, donc entrer en 2015. En été, pratiquement en juillet 2016, nous intégrer BEPS, qui sont projets cap combattre sur les érosions bases imposables. C'est-à-dire érosion bases imposables, c'est que pays studio pas rentré recette fiscale de l'État de rentrer normalement. Surtout, ça vient du fait que des multinationales qui font souvent, qui est à cheval sur plusieurs pays, ils ont fait des montages financiers et puis ils ont payé moins d'impôts pour l'État de payer. Donc, entrer dans BEPSAN, il est possible pour nous joindre des outils pour nous faire face à phénomène ça. Donc, l'on entre dans BEPSAN, immédiatement après, yo dit nous que l'état bon si nous entrons dans le forum mondial qui chita sous transparence, avec échange d'informations, renseignements à des faits fiscales. Donc, nous intégrer le forum ça en septembre 2017. Et depuis on paye intégré forum là nouveau membre là faut que yo vienne faut que yo voye des secrétariat forum là voye des experts pour venir garder ça qui a passé pour venir garder système là comment la fonctionner marcher bien qui ça pas marcher bien pour porter des correctifs on pour bénéficier population c'est à dire que si l'administration fiscale là rentre plus l'argent l'état gagne plus moyen en main pour capable financer projet que gagne pour population et en même temps son avantage pour DG tout cap plus performant. Donc, il y a des outils pour le plus performant. Par exemple, il y a un élément qui est très important dans la question qui intéresse en pile forum mondial. C'est la question, par exemple, montage financier, soit les optimisations fiscales. Côté que contribuable cherche tout moyen, toute technique pour payer moins d'impôts. Donc, de ce fait, si Haïti signe des conventions, pas des conventions, des accords de coopération administrative avec l'administration fiscale pays, vérificateur haïtien, capable de demander à l'administration fiscale pays Caraïbes ça information pour capable voir combien cob vraiment moun nan t'acheter compagnie ça t'acheter téléphone yo donc ça capable permettre DG font redressement fiscal rentrer plus l'argent. Conseil national coopérative publie chiffre qui a rapport avec secteur coopérative là sous territoire gen 251 coopératives conseil la reconnaître dans tableau a c'est département nord avec 32 coopératives la Tibonite 45 et puis l'Ouest, 49 coopératives qui remportaient gros loa. Directeur général Conseil national coopératif là, Serge Chéri, encourageait même la population pour continuer à regrouper, dans créer des outils économiques qui aident dans créer richesse. De GCNCA était quoi? Secteur coopératif là doit diversifier. Nous avons besoin de coopératives en énergie, nous avons besoin de coopératives en, peut-être en logement, nous avons besoin de coopératives en santé, pourquoi pas de coopératives peut-être de travailleurs qui sont capables de réunir ensemble, qui sont capables de faire des coopératives, qui sont capables de créer de richesses autour de eux-mêmes. Parce que chaque secteur qui existe aujourd'hui, même au niveau de la presse, par exemple, vous êtes dans le discours, peut-être que vous êtes corrigé, moi et Valérie Numa qui t'a parlé de Boutillier. Côté toute station, yo gagné et de pour positionner antenne, yo chaque obligé gagné yon génératrice et nan boutilier. Tandis que si yon coopération qui est décidée entre toute station ça yo, toute média ça yo, une seule génératrice ta capable peut-être faire travail là ou bien deux et puis ta capable d'autres emplois qui ta capable créer à travers ça et même le business ta capable monter en haut à tout côté ouest c'est l'entreprise presse ça qui t'a bailler en haut boutilier carburant qui t'a bailler ou t'a créer des richesses autour de eux-mêmes Sokolavim yon coopérative dans département la
Tibonite et qui c'est premier coopérative avec plus actif pour directeur général là Prophète Fizeme, lui fait connaître Chocolat Vim a travaillé pour aider plus société jeune plus gros crédit pour bail projet qui gagne plus bon jardin. Il y a un avantage de pouvoir bénéficier des conseillers techniques en gestion qui sont capables de monter des plans d'affaires pour eux. Donc là, je dis que, au niveau de ce qu'on a vu, notre portefeuille, c'est un portefeuille qui se porte bien. Un portefeuille qui tourne autour de le portefeuille global PAR- autour d'à peu près 6%. Donc la norme internationale, c'est de 5%. Nous travaillons beaucoup pour réduire le portefeuille à risque et je crois que d'ici au 30 septembre, c'est des bagailles que nous mettons autour de peut-être 3%. Là, nous travaillons d'arrache-pied et pour nous satisfaire les membres, mais aussi pour nous prendre responsabilité, non, pour nous porter crédit pour entraîner que le développement de la Tibonite est fait à travers ce qu'on a vu. D'après Chifio, il y a 154 coopératives agricoles dans tout le pays pour 64 coopératives et pas à crédit et puis 33 dans l'autre domaine. Voilà, ou se suivre une après l'autre, yon séminaire formation, direction générale impôt a organisé pendant 2 jours, yon séance formation qui about jeudi, mercredi. Et puis, ou ta suivre yon colloque Conseil national coopératif réalisé mardi 29 mai, sous thème défi ak enjeu dans secteur coopératif là, non pays d'Haïti. L'autre information vers l'inclusion scolaire des enfants et des jeunes en situation d'handicap visuel, c'est sous thème ça, société a aide pour avec yo chat pour célébrer journée caraïbéenne avec yo jeudi 31 mai. Pour occasion, responsable chat en tête collée à l'ambassade américaine et puis secrétaire d'état pour intégration mon handicapé tant mais yon série activité pendant semaine non. Coordonnateur national société haïtienne aide pour avec yo docteur Michel Payan ak chef mission adjoint à l'ambassade américaine non Robin Diallo tenant micro John Herbie Casseus ak Michel Joseph. Il y a une conférence, débat qui est pour faire sur la question de l'inclusion scolaire. Nous avons par exemple un livre, un recueil de nouvelles qui parle en signature à Livre Folie, qui relève une école pour toi et pour moi. Et nous avons tout profité de dire qu'une école pour toi et pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une école inclusive et c'est à bail ça que nous rêvons. C'est rêve nous ça. Au niveau de l'achat, c'est rêve tout secrétaire d'État, bureau secrétaire d'État pour l'intégration de handicapé, hein. C'est rêve tout du gouvernement américain et c'est rêve d'inclusion ça, c'est pour les enfants non seulement d'aujourd'hui, mais pour les enfants également de demain. Donc, au cours de conférence ça, nous t'ai également parlé de ensemble activités que ça a fait dans le domaine intégration Timoun-Gou. Nous avons une bibliothèque spécialisée. D'ailleurs, nous coopérons dans le domaine ça avec l'école Saint-Vincent. Nous avons par exemple une unité de production de documents adaptés que nous arrivons à mettre sous pied de façon très solide avec support et de la USAID. On supporte ça et pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on croit que tout le monde a droit à une éducation et un futur, un bon futur. Nous sommes aussi les optimistes. Et si Haïti doit éduquer tout le monde pour être avec le monde, et ce n'est pas seulement Haïti, mais il y a beaucoup de pays, et même chez nous, ce n'est pas 100%, mais on veut avoir une bonne éducation pour chaque enfant. Et c'est ça, l'achat donne l'opportunité aux aveugles et malvoyants qui n'auront pas l'opportunité pour une bonne éducation. Et pour nous, l'éducation est importante. On travaille avec USAID, avec le ministre de l'Éducation aussi, pour avoir une bonne éducation pour chaque Haïtien.
Toujours sous même dossier, secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé, Gérald Oyol, expliquait ses activités à réaliser pour célébrer journée caraïbéenne avec yo à occasion pour yo montrer importance moun ki nan situation handicap visuel dans développement pays a. D'après secrétaire, initiative ça permet yo continuer travail sensibilisation autant mais pour encourager population à respecter droit tout monde qui dans situation handicap en Haïti. Yo extrait toujours dans micro John Herbie Casseus. Travail en pile. Mais faut que nous dit que il y a un pile d'efforts qu'a fait tout. Et m'a profité de l'occasion ça vraiment pour nous remercier tous les amis au niveau de la société civile qui toujours mettaient disponible pour travailler là qu'à arriver plus loin. Particulièrement et tout récemment, nous capables de dire nous avons des travaux et un atelier. Et justement pour nous finaliser un texte de loi qui est important dans le processus d'intégration mon handicapé. Nous connaissons que la loi 13 mars 2012 sur l'intégration mon handicapé a créé un fonds de solidarité pour l'intégration mon handicapé. Mais malheureusement, la loi n'a pas établi et fonctionnement font donc l'idée important que font suivi pour assurer que par exemple source d'alimentation font bien établi et les gens font organiser par exemple conseil d'administration bien clair donc suite avec analyse ça que certains juristes fait pour nous. Nous avons décidé d'élaborer Texas il y a de cela quelques années. Et bien, journée aujourd'hui, Texas au niveau du Parlement, et à la Chambre des députés, et dans la commission, et travail commission déjà fait, et en fait, nous avons gagné des séances de travail. Et avec la participation de la société civile et la participation des techniciens au niveau de la Chambre des députés, pour ensemble nous finaliser le texte de loi ça, qui prendra nous beaucoup plus de ressources, qui prendra nous beaucoup plus de moyens au niveau national pour nous accompagner mon handicapé à différents niveaux. On m'arrive pour nous prendre une pause dans le journal là. Pas déplacé, n'a pas tourné tout de suite après. Dans le pays l'autre bord de l'eau, il y a un plus gros dirigeant nord-coréen dans la ville de New York jeudi pour capable préparer un sommet historique en deux pays qui prévoit pour Jean Cap venir là. Ça fait 18 l'année, il y a un événement comme ça, pas de jambes rivées. Nous invitons à suivre un reportage. Il y a un plus gros dirigeant nord-coréen, Kim Jong-chul, trouvé dans le pays États-Unis dans le cadre de préparation sommet historique entre le président américain Donald Trump et tout Kaili Kim Jong-un. Depuis 18 l'année, c'est un des plus gros responsables nord-coréens qui rend li aux États-Unis. Kim Jong-chul a bien pour passer Pékin dans le pays la Chine, côté la Pchita Palais avec le gouvernement chinois. Vice-président comité central nord-coréen Kim Jong-chul a bien pour rencontrer chef diplomatie américaine Mike Pompeo. Une première rencontre est déjà faite entre deux dirigeants sous dossier libération otage américain. Kim Jong-chul, depuis l'année 2010, n'a pas bien accès pour piler territoire américain. Pour rendre visite ça possible, série sanctions suspend. Deux diplomates ont bien seulement 12 jours pour faire préparation logistique sommet ça. Dans le sport, nous parlons de la Coupe du Monde en Russie 2018. Argentine bat Grenadier haïtien 4-0. Dans un match amical hier au soir qui fête dans la ville Buenos Aires. Et puis tennis, après des années d'absence pour cause maternité, Serena Williams fait une belle entrée. Dans le tournoi, Roland Garros, l'aile battue Carolina Pliskova 2-7-0.
Et bien voilà, journal arrivé dans Boutli. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés, Télévision Nationale d'Haïti, pour suivre la programmation. Bon après-midi tout le monde.